say, you stand by, then the nation won't be free. But participate, we want it to be free and fair. We are giving our time, and we want everything to be free and fair. We want you to join the Congolese. If you are in the Congolese, you don't live Congolese. And if you care about democracy, join free and fair CTRC. That is the way to make the world know that everything in Congo should be straight. Straightforward. Not one group of people like gangsters who come together through the resources and rape our daddies, our children, our grandmothers. You're welcome. Ok, tous les places sur Nakati à Parlement, Nakati à grande ville, London, tous en Mali, Nasika Oyo, mais tout en tout et Tina Nini, tous en Mali, Nasika Oyo, mais Tina Nini, Bilam Nabistolati, Nicolo Banini, et Tina Nini, tout est Awa, Kunamusa Nini, Nalikamonini. On a besoin de et comme ça, quand on a biso, on va trouver un biso, un bililingi. Bah, bah, tina tu es na esika oyo, mais tina tu es aussi là, likambo oyo. Na pesi maloba la maman angai, soit qu'on répond nga na likambo oyo, na mutuna. Merci mingi papa, naï maman Victoria Dimanja. Tu es na esika oyo, tolati ba komi free fair DRC. Elingi kolo, free. DRC Congo na biso ya bosomi Congo na biso ya bosembo ezali souwe ezali ndoto ya biso nyoso ba kongole to koma na mboka ya bosembo mboka ya bosomi yango wana toza ko travailler na baninga na biso ya ba British awa pona ko sa ko mener campagne yo kuna ba election zo na mboka na biso ko ete to zo Congo o ezana na bosomi engolo ba free libre juste bosembo ekota na kati ya mboka biso yo so bana mboka to sempela na mboka na biso to ya ko bana na mboka ba paya te yango na to yetu na ko soutenir campagne ya free fair DRC. Ok, tu veux soutenir la campagne de Nabiso Oyo. Est-ce que vous avez dit 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 Ça ne va jamais se faire tant que tu es dans la Katiao. Et moi, je peux vous dire, si on a besoin de lire un bon côté, on a besoin de lire un bon côté. On a révélé que tout le monde va contacter un bon côté. Mais tu as besoin de lire. On n'a pas besoin de lire un bon côté pour que le peuple souffre. Tu as dit que tout le monde a une éthique dans la Katiao. Moralité dans la Katiao. Jamais tu as lire un bon côté. Vous avez un abus de l'état de la bêtise, il y a un mois de comment tu as un tu as un assis qui est un bon sort. Le local, le moment est un bon sort. Mais Awa, vous allez bon, vous allez vraiment libre. Ok. Nako Bakisa Boya, Bakongolais Nyonso, vous allez à l'étranger, vous allez Koko Sanaka, il faut donc contribuer à l'élection, il y a un vote. Biso va péter sa biso pour croire à voter. Alors, tu peux kangama pour voter. Alors, ce qui va comme le baguette aux huit mbongo parce que tu as contribué quelque part pour ba oyo bazana mboka batikala na droit na ko voter ba voter bien ba caméra mo kilié mona transparence ezala na sérieux ezala ça nous pouvons contribuer leur donner cette voix là parce que ba o baza kuna na mboka ba ko lo ba bongo te le canon de l'armée devant eux l'insécurité là la répression est toujours là la violence est déjà là alors awa au moins nous pouvons parler à leur nom donc allez ko pesa bango voix wa pour démocratie et cola peuple apona muto et singeli akamba bango et puis bah au peuple bazana pouvoir rendre compte comme ça
pouvoir est là, au moins éduqué, parle d'abord, il y a la sanction, il y a peuple. Comme ça, si ceux qui sont au pouvoir sont correctement sanctionnés dans la vote, il faut peuple à juger, alors puisque il faut te contribuer, parce que puisque on a jugement, on a te consalaté. Il faut te soutenir dans l'action, il y a pour y. Donc c'est ça, au contraire, de ça que c'est la communauté congolaise, n'a pas sympathisé, la cause, il y a Congo, bah, join pour Makambo et la bien. Oh, pour dire que ceux qui vous ont dit, ah donc vous êtes simé à peuple comme opposition, bien vous êtes simé à Nini. Soutenir nous le même peuple qui est au Congo, c'est le même peuple qui est ici. Oui. Nous voulons que le peuple s'exprime d'une façon libre, claire et transparente. Choix na bango est à la prise en compte. N'a du côté de l'opposition, n'a du côté du pouvoir. Ils doivent savoir que le peuple, c'est le souverain primaire qui sanctionne le programme na bango. Donc nous, en fait, nous sommes en train de contribuer pour que profil ou ya solo ya mutua au Kamba Congo et raison monana peut placer la choix naïe librement et clairement et puis choix ouanez à la respecter. C'est ça, c'est pour cela que nous sommes ici. Donc, je pense qu'on peut aussi chercher quelqu'un qui peut traduire ça en français parce que beaucoup de nous compatriotes qui ne parlent pas lingala. Donc c'est premier, je pense que mon frère, si vous avez quelque chose à dire à notre peuple. Oui, je veux intervenir à deux niveaux. Moi, c'est d'abord M. Didier Iguila, votre serviteur. Okay. Comme vous le savez, il y a deux choses. Comme vous voyez, Free Fair DRC, oui. Congo libre et juste. Oui. C'est en quelque sorte notre campagne que nous avons mise au point pour que nous puissions aider le peuple congolais. Lorsque les élections viendront à leur venue, que le peuple soit capable de voter ceux qui sont compétents. Et quand ils auront voté, que leur voix soit respectée, qu'il n'y ait pas de tricherie, que tout se fasse dans la transparence. Alors pour le faire, il faut que nous puissions aider les yeux de tout le monde à s'ouvrir sur ce qui se passe au Congo. Que ce soit ceux qui sont en Occident, que ce soit aussi ceux qui sont à l'intérieur du pays. Du moment où tous les yeux seront ouverts sur ce qui se passe au Congo, il y aura une sorte de pression pour que la fraude ne soit pas acceptée. Et quand il y a fraude, que nous puissions mettre en place des structures pour remettre la justice en place, c'est-à-dire les élections telles que proclamées ou telles que voulues par le peuple. Deuxième chose, vous avez posé une question à Lingala, une question relative à la corruption. Oui. Je vous dirais une chose, qu'il y a des gens qui ne sont pas tentés à la corruption. Je ne voudrais pas me vanter, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à lutter pour le pays. Si les gens se proclament aujourd'hui défenseurs du pays, nous avons commencé à le faire quand on était encore sur les bancs de l'école à l'université. On a des blessures, des traces sur le corps pour ce Congo. Pour rien au monde. Alors j'ai dit pour rien au monde, je vais accepter de vendre mon pays. Et d'ailleurs, s'il arrivait qu'il y ait des suspicions sur la trahison du pays à travers ces campagnes, vous ne me verrez plus. Mais du moment où je suis encore là, la lutte est claire. La chose est claire et je voudrais lutter pour ce peuple. Il a assez souffert. Nous voulons contribuer à ce que sa voix soit respectée lors des élections et que le moment venu, que le peuple ou que la voix du peuple soit entendue. Et cette voix sera entendue. Nous allons faire pression jusqu'au bout. Nous n'allons pas nous faire distraire. Ceux qui sont habitués à prendre des 10 livres, des 20 livres, des 50 livres pour vendre leur pays, c'est les mêmes qui viennent encore aujourd'hui pour nous dire vous prenez l'argent, nous on ne prend pas l'argent, nous luttons pour le pays. Ceux qui sont habitués à prendre les 20 livres, ils peuvent continuer à prendre les 20 livres pour survivre. Merci. Dans ces cas-là, je voudrais ajouter à ce que mes frères et sœurs viennent de dire, juste pour compléter. C'est juste pour dire que nous sommes conscients qu'au Congo, tout le monde n'a pas accès à l'Internet. Mais ceux-là qui ont accès à l'Internet, nous leur vraiment conseillons d'aller sur www.freefairdrc.com justement pour essayer de dénoncer tout ce qui peut être d'éléments de fraude. Si ils ont des soupçons qu'il y a de fraude, ils vont parler
dénoncer le fraude. Je ne vois pas pourquoi en même temps on va essayer de vendre les pays. Donc tout ça c'est contradictoire. Donc c'est tout ce que je voulais ajouter à tout ce que le professeur vient de dire. Les gens ne sont pas réunis pour la belle élection. Vous voyez bien que ma condition, je disais, ils ont quitté. Mais, donc, on a du peuple, nous avons une occasion. Il y a un peuple qui a mis sa mungongo au pays, au Canada, malgré la fraude, malgré la répression, l'occasion est mon ami. Mais tous les conscients que ma condition est longue banité. On a une élection, vraiment, ils sont dans la situation en Boka Siboy. Mais tout le monde, la situation est faible, on a un changement et quand on a un Boka, il y a un autre pour supporter la campagne, il y a plus de il y a un résultat. Merci. 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 Je voudrais juste dire à mes frères congolais que ce mouvement a été organisé par les conservateurs, donc les partis conservatifs de ces pays. Pourquoi ils ont organisé ça? C'est parce qu'ils ont trouvé qu'au Congo, il n'y a pas du sérieux. Tout ne marche pas, il n'y a pas une bonne gouvernance. Et il y a risque que cette élection ne soit pas libre et démocratique. Voilà pourquoi cette campagne a été mise en place pour que les Congolais, tous les Congolais, soient derrière cette campagne pour qu'il y ait des élections libres et démocratiques au Congo. Je vous remercie. Pour m'avoir donné cette occasion, je crois que ça fait longtemps que on n'est plus passé sur la place publique pour parler du Congo. Mais si cette fois-ci, personnellement, je me suis investi à passer sur la place publique et défendre les élections qui vont se passer au Congo, c'est pour une seule raison. Je ne voudrais pas qu'il y ait dans mon pays qu'il y ait du sang qui coule comme ça a déjà coulé. Il y a près de 8 millions de Congolais qui sont morts. Alors, à la place qu'il y ait encore des morts, je voudrais que nous puissions tous, si tous les Congolais se mobilisent et entrent dans cette campagne de mobilisation et font tout ce qui reste dans leur pouvoir et tout ce qui leur reste comme énergie, ils s'investissent totalement dans cette campagne, je crois que nous allons défier ceux qui peuvent amener les fraudes et nous allons avoir quand même une élection. Si elle n'est pas parfaite, mais une élection qui va nous permettre de mettre fin à la dictature et au désordre qui est dans notre pays. Merci. Misère, vous êtes nini, maman. Misère, et bien, vous êtes les amis. Parce que, voilà, nous
misère Afrique et Afrique et Afrique misère commis, on a octobre, puis on va